Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier énormément de monde, mais surtout la communauté de Skyrose qui m'ont envoyé pas mal de messages de soutien. Ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, je vous mets le commentaire en question. C'était sur la dernière vidéo de Skyrose et qui m'a simplement adoré mon commentaire, donc ma petite histoire par rapport à ce que j'ai eu dans mes années noires. Et du coup, il y a eu la communauté de Skyros qui ont pu voir mon commentaire et m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien. Et ça, je vous remercie. C'est dommage qu'on ne peut pas vous serrer la main ou... Non, malheureusement, c'est derrière une caméra, juste ici, simplement. Donc, voilà, je sais que c'est un petit peu dommage, mais vraiment, je peux vous remercier 100 fois ou nombre de fois que je peux vous remercier. Voilà. Je vous souhaite alors tout simplement... un bon visionnage à cette vidéo. Allez, salut. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh, c'est une chaise roulante qui fait beaucoup de bruit mais qui ne va pas très droit. Oui, c'est moi. Salut à tous, c'est Thunder. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de Boom Beach qui vient de sortir. Le fameux quartier général niveau 24 qui vient de sortir. Aujourd'hui, à ce jour-là, je ne sais même pas quel jour on est, je suis complètement perdu. Le mec qui cherche une date, mais je suis complètement perdu, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette mise à jour qui vient de sortir. Donc voilà, donc c'est parti, let's go. On va tout simplement parler de cette mise à jour. Alors qu'est-ce qu'on a eu pour cette nouvelle mise à jour? On va commencer par déjà par la troupe qui vient de sortir aujourd'hui, qui est ici. C'est le mecha qui est ici. Donc alors nous avons grand et puissant. Le mecha est une redoutable machine de combat. Il prend beaucoup de place mais il peut aussi prendre beaucoup de dégâts. Rappelez-vous de la dernière vidéo que j'avais faite, c'était pareil comme description. Glenn était simplement incroyable. Alors nous avons ici sa santé, nous avons la taille de l'unité 14, nous avons 26 000 pour une seule unité, nous avons 30 minutes pour la construire. Vitesse de mouvement, c'est lent, mais genre très lent. Très très lent. La portée, elle est courte. Et enfin, les dégâts par seconde, c'est environ, allez, on va dire 100 dégâts. Donc en gros, 100 dégâts. Et rappelez-vous, ça en continu. Donc là, si ça tire une balle toutes les 0,1 secondes, bah, vous faites en une seconde. Vous calculez ça, je sais pas. x10, voilà, vous faites x10 et puis vous allez voir le résultat. Ça va faire jusqu'à 1000 dégâts, ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme, mais là, tout simplement, je ne peux pas le débloquer puisqu'il va être au quartier général niveau 22. Voilà, ensuite, on va rester dans l'arsenal. Alors, quelles sont les troupes que vous pourrez améliorer? Alors, là, nous avons le fusilier, le gros bras, le zouka, le guerrier, le tank, le médecin, le grenadier, le carboniseur, la crayonnière et le mecha, le bombardier. Ne va pas être amélioré pour ce niveau de QG. Enfin, tout ce qui est soutien, vous aurez tout simplement la petite artillerie, pas la fusée éclairante, le medikit, l'électrobombe, malheureusement, il ne sera pas amélioré. Les tirs de barrage pourraient être améliorés, la fumigène pourrait être améliorée, ça va être bien pour ceux qui font du full zooka. Ensuite, vous aurez aussi les bestioles, les mines, les super mines et. Les électromines, vous ne pourrez pas les améliorer. Donc voilà, vous aurez pas mal de choses à améliorer. Ensuite, vous aurez aussi, quand vous serez au niveau, vous aurez les huttes de héros. Donc il y aura deux héros qui vont tout simplement être améliorés d'un niveau de plus. C'est Captain Everspark et Soldat Bullitt. Voilà, qui vont être améliorés. Alors, les niveaux des compétences, genre... la gourde ou l'électropoint ou pareil pour Everspark, la télécommande ou les bestioles ne pourront pas être améliorées. Donc là, ça reste à leur niveau. Donc voilà, ensuite, tiens donc pour les hauts joueurs, vous aurez le sculpteur qui va passer au niveau 9 et vous aurez 11 statues au lieu de 10. Là, ça va beaucoup se renforcer et je peux vous le dire que ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. 11 statuts face à ça. Alors je ne sais pas si nos amis, les joueurs mondiaux qui sont incroyablement puissants. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, nous n'avons pas de... ah non, lui il joue pas. Donc lui il joue pas. Peut-être l'ami du dessous. On ne sait pas.
Alors, est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 11. Nous avons 11 statues, vous pouvez compter tout simplement. Elles sont là. Il a amélioré son sculpteur, mais et surtout aussi le quartier général qui vient d'être amélioré niveau 24. Regardez la gueule qu'il a. Franchement, vraiment, on voit bien quand même qu'il est prêt à être amélioré. Regardez-moi ça. Sculpteur niveau 9, il est tout simplement présent. Et ensuite, je crois qu'il est en train de... Non, il n'a pas d'amélioration. Alors, j'ai regardé à peu près toutes les bases des personnes mondiaux. Personne n'a une défense au niveau, tout simplement, maximum, tout simplement. Alors, le quartier général, bien évidemment, on va en parler. Dès que vous allez avancer au quartier général niveau 24, vous aurez seulement un super canon amélioré. Donc, un super canon en plus. Une super mine et une électromine. Donc là, je pense bien que les gens ils vont mettre partout des mines. Hein. Je sens bien. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez? Alors, les seuls bâtiments que vous ne pourrez pas améliorer au QG 24, ce sera les lances électrobombes. Donc, comme par exemple celui-ci, vous ne pourrez pas améliorer après le QG 24. Vous ne pourrez pas améliorer les bâtiments de ressources. Donc, ici, présent, c'est cela. Le labo d'armes ne va pas être amélioré. Le radar non plus. La réserve de statues ne pourrait pas être améliorée non plus. Donc, il y a quand même bah, des choses en particulier. Le reste, vous pouvez tous améliorer. Mais surtout aussi, je viens de dire quoi? Bah, le reste, on peut améliorer. Ça veut dire que les barges, on peut tout simplement être améliorées pour avoir deux carbos dans une barge. Alors là, ça fait plaisir. Mais surtout, il vient de corriger. Tout simplement la réduction du carboniseur, il était de 10, maintenant ils l'ont baissé à 8 en termes d'énergie. Donc voilà, donc là ça a baissé au niveau des compétences de la canonnière. Donc voilà, donc là je vous montre une image tout simplement des nouvelles défenses dès que vous aurez au niveau maximum, qu'est-ce qu'ils vont avoir en dessous. Donc là en fait ça passe du bois à de la pierre. Et ensuite dès que vous passez votre barge de niveau 24, je crois si je ne me trompe pas, 24, et ben vous aurez deux carboniseurs qui vont être présents sur votre barge. Alors évidemment, je sens que ça va être le gros bazar pas possible, mais ça va prendre beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, il va falloir avoir de l'énergie dans votre canonnière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est nouveau, nous avons eu ceci. Et oui, ceci, c'est tout nouveau, ce sont les objets top secret. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer ce que c'est, et pour moi, c'est le meilleur truc. Je me suis dit, bon, Boombeach, ils sont en train de sortir une nouvelle troupe pour les hauts niveaux, niveau 22, voilà, vous connaissez. Mais là, c'est le meilleur truc pour nous. Alors, regardez. Objet top secret. Alors, découvrez les objets top secrets dans les profondeurs de la mer grâce à votre sous-marin. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'exemple, parce que, vu comme ce sont des trucs de sous-marins qui sont venus récemment. Voilà, là je peux pas voir hein, malheureusement. Ce sont des machins de sous-marins qui sont apparus il y a quelques jours déjà. Donc c'est dommage. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Le dernier truc de sous-marin qui est venu il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours tout simplement. C'est dommage. Je pourrais avoir ça. Et ici. Voilà, donc là je vais avoir des trucs. Bon, c'est pas grave, tant pis, il faut attendre votre prochaine bouée qui va apparaître sur votre. Archipel. Donc, à quoi ça sert? Mais ça, franchement, c'est le meilleur truc. C'est vraiment le meilleur truc. Je vais vous montrer. Alors, le plan d'attaque. Termine toute amélioration aux troupes ou de capacité de la canonnière. Ces plans d'attaque de top secret terminent instantanément toute amélioration de troupes ou de capacité de canonnière. Gagner des niveaux de troupes ou des capacités de canonnière pour aller plus vite au combat. Donc, en gros, ça va tout simplement. Dès par exemple, je sais pas, il y a un tank qui dure genre une semaine, vous utilisez ça, paf, ça utilise instantanément. C'est incroyable, ça c'est incroyable ce qu'ils viennent de nous donner, Boombeach. Franchement, c'est fou. Franchement, quand je viens de voir ça, je me dis, mais c'est une dinguerie, c'est incroyable. Pareil pour les plans de bâtiments, donc là j'en ai une, tout simplement. Alors je pense que la limite, évidemment, c'est une, hein, tout simplement, parce que bon, ce serait trop cheaté de garder ceci. Donc. Évidemment, ils l'ont mis en limite à une. Waouh! Et ça, c'est pareil. Plan de bâtiment, c'est pareil. Ceci est totalement pareil. Ça veut dire que s'il y a une défense qui est très très lente, je sais pas, une barge de débarquement, vous l'accélérez direct.
Voilà, tout simplement. Ça fait plaisir. En gros, par exemple, pendant le méga crabe, je suis en train d'améliorer une barge, mais moi, vu comme la barge a duré longtemps, je suis obligé de, voilà, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Vous utilisez ceci, paf, là, ça c'est fait. Ça c'est totalement fait. D'ailleurs, le plan bâtiment, vous pouvez le récupérer dans le magasin. J'ai fait un petit tour dans le magasin, et puis c'est vers la fin, vous allez avoir ceci qui va apparaître. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est une blague. Bah, franchement, c'est pareil. Mais surtout pour mon niveau et surtout ceux qui galèrent à améliorer dans le jeu. Parce que oui, quand on rencontre des niveaux 68 et que c'est impossible de les battre, regardez ceci. Coffre-fort d'or, coffre-fort de bois, de pierre et de fer. Ça, vous savez ce que c'est? C'est incroyable. Remplit toutes les réserves d'or. J'ai bien dit toutes les réserves d'or. En gros, ça va tout simplement remplir tous vos ressources. La négociante découvre que des coffres-forts étaient cachés à peu près partout dans l'archipel. Utilisez ce coffre-fort pour remplir entièrement vos ressources, non, vos réserves d'or. Incroyable. Alors ça, franchement, c'est le meilleur truc. Ça, c'est le meilleur truc. Alors évidemment, dès que j'aurai ces trois-là, donc le bois, la pierre et le fer, je les utilise et puis c'est bon. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Vraiment, ça va beaucoup m'aider à améliorer. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est rare comme document, mais à mon avis oui, parce que ça a l'air un petit peu dans les profondeurs du sous-marin. Mais ça, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose de tous les temps. Franchement, je suis très content. Je croyais qu'ils allaient mettre qu'une seule troupe, ils allaient mettre quelques trucs, quelques améliorations pour les hauts niveaux. Mais ça pour les niveaux qu'on est à l'heure actuelle. Franchement, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose pour nous au niveau du plan d'attaque, plan de bâtiment, les coffres d'or, les coffres de ressources. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, ce qu'ils ont fait Supercell par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment, comment dire, époustouflant. Époustouflant. C'est incroyable. Vraiment, je suis super content d'ailleurs de voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils avaient mis aussi? Ils avaient aussi réglé un peu le bug d'équilibrage. Donc en gros, est-ce qu'on va tester ça? Est-ce qu'ils ont réglé les bugs d'équilibrage? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je viens de tester un adversaire, je ne pense pas. Oui, c'est toujours bien des niveaux 63, donc non, ça ne change pas. Ça ne change pas du tout. Mais bon, je pense qu'on va s'y faire avec. Mais c'est surtout au niveau des coffres d'or, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est incroyable. Incroyable là, ce truc là. Regardez, je vous le montre, hein, je vous le montre. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, voilà, je pense que j'ai fait à petit peu près le tour de cette mise à jour. Donc, nouvelle unité, nous avons eu les objets classés, nous avons le carboniseur sur les. Sur deux carboniseurs sur une barge. Enfin, bref, voilà, il y a eu des améliorations sur les défenses, amélioration d'un niveau pour les héros. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses au niveau des défenses aussi. Je pense que ça va bien barder. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous remercie encore une fois à la communauté Scaros qui m'a tout simplement soutenu durant ce commentaire que vous avez tous lu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à abonner-vous à la chaîne, ça me fera un très très grand plaisir. Moi je vous dis à plus, c'était Thunder. Allez, salut!